Roger pour la 24. Un ULM survole la brume qui recouvre la vallée de la Tête dans les Pyrénées-Orientales. On va monter comme ça, ça bougera moins. Médecin et passionné d'aviation, Éric Soulet de Lafond publie régulièrement des recueils de photographies aériennes sur cette région où il est né. Aujourd'hui, son repérage débute au-dessus de la Méditerranée. Donc pour moi, le survol de la côte, c'est une source d'émerveillement. Ça n'a rien à voir avec les vols habituels au milieu de la chaîne. Ici, la côte est découpée, elle est très variée. Et en plus, on va voir donc le début des Pyrénées qui surgissent de la mer entre Collioure et le Cap Cerbère du côté français. Éric atteint l'extrémité orientale des Pyrénées. Le Cap Béar. Semblant surgir de la mer, cette falaise, du haut de ses 50 mètres, marque la naissance du massif. On passe assez brutalement du niveau de la mer à environ 700 mètres d'altitude en quelques kilomètres. Aujourd'hui, Éric va survoler une série de monuments incontournables dans les Pyrénées-Orientales. Des fortifications créées par Vauban au XVIIe siècle afin de protéger la frontière entre la France et l'Espagne. En longeant le littoral, le pilote se dirige maintenant vers une baie étroite. Elle protège la perle de la côte vermeille, Collioure. Au cœur de la ville, les fondations du château royal. Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, grand architecte et ingénieur de Louis XIV, a fait élever cette muraille pour transformer le monument en forteresse imprenable. Éric survole la cité. J'avais à peine 10 ans, mes parents m'avaient fait connaître Collioure et justement la première forteresse de Vauban qui m'a été donnée de voir. Je n'imaginais pas que quelques décennies plus tard, j'irais la survoler. C'est une autre dimension, une autre perspective. C'est un petit joyau. Il y a un mélange de couleurs qui est rare dans toutes les Pyrénées. Le reste des Pyrénées est plus vert, plus monochrome. Ici, on a toutes les couleurs possibles. Le pilote prend de l'altitude. Il s'approche d'un autre joyau de l'architecture militaire conçu par Vauban, le Fort Saint-Elme. Avec sa structure en étoile, ses murs de plus de 8 mètres d'épaisseur et ses centaines de meurtrières, l'ouvrage illustre parfaitement les théories du grand bâtisseur. La vue aérienne est époustouflante. Quand on est au sol, arrivé au sol, ça n'a pas du tout la même intensité. Éric quitte le littoral et se dirige vers l'ouest. Le pilote va suivre le massif des Albères, qui marque la frontière avec l'Espagne, pour gagner en quelques minutes le Haut Vallespir et découvrir un autre chef-d'œuvre de Vauban. Perché à 1540 mètres d'altitude, apparaît l'une des tours de guet les plus renommées du département. On en compte une vingtaine dans les Pyrénées-Orientales. Donc la tour de Mire, elle a une sacrée histoire puisqu'elle a été édifiée dès le XIIIe siècle par Jacques Ier d'Aragon, qui était à l'époque le roi de Majorque.
et elle servait toujours pareil à surveiller la frontière de France. C'était une tour à signaux pour guetter l'ennemi. La tour de Mire surplombe un passage naturel entre l'Espagne et la France. Éric amorce un virage au-dessus de Prats de Moyaux-la-Preste. La ville médiévale est dominée par un fort. On entrevoit le fort Lagarde, qui est une fantastique forteresse nichée en pleine chaîne pyrénéenne. Avec sa position géographique, c'était un site idéal pour contrôler la frontière et se protéger des invasions venues d'Espagne. Cette place forte a été construite pour résister à une artillerie ennemie. Et son dessin en forme d'étoile est parfaitement adapté au relief. Vauban a imaginé un donjon et bâti des logements pour une centaine d'hommes affectés ici à la défense de la frontière. Éric oblique maintenant vers le nord. Il s'apprête à survoler l'un des plus beaux sommets des Pyrénées. Donc maintenant, on abandonne la capitale du Haut, Vallespir, et on va prendre de la hauteur pour aller flirter avec une montagne sacrée pour les Catalans. C'est le Canigou, qui culmine à 2784 mètres. Le mont Canigou est l'emblème des Pyrénées-Orientales. Depuis 2012, il fait partie des 15 trésors à avoir reçu le label Grand Site de France. Cette vigie offre un spectacle hors du commun. Elle domine à la fois la plaine du Roussillon et la mer Méditerranée. Il est reconnaissable parce que c'est un des rares pics enneigés du secteur des Pyrénées-Orientales. Il va être enneigé pendant plusieurs mois de l'année. À quelques minutes du sommet, le pilote veut survoler un autre joyau de l'architecture pyrénéenne. Donc maintenant, on va descendre le long des pentes du Canigou pour survoler un petit joyau de l'art roman, une abbaye qui date tout simplement du XIe siècle. C'est Saint-Martin du Canigou. Comme un nid d'aigle posé à 1100 mètres d'altitude, l'abbaye surplombe la vallée du Cadi. Son clocher lombard domine l'abbatiale. Le cloître est ouvert sur toute la vallée. Ce chef-d'œuvre de l'art roman catalan a pourtant bien failli disparaître à la Révolution. Après un siècle d'abandon, le monastère est patiemment rebâti à partir de 1902. Aujourd'hui, il accueille des laïcs pour des retraites dans le calme de la montagne. Éric fait route vers l'ouest. Il longe la voie de chemin de fer qui relie Villefranche-de-Conflans à la tour de Carole. Elle permet d'accéder à la Cerdagne. À la hauteur de Planès, se dévoile un ouvrage d'art exceptionnel, le pont de Gisclard. Avec ses 253 mètres de long et ses 156 mètres de haut, il a été inauguré en 1909. C'est le dernier pont suspendu ferroviaire encore en service en France. Éric s'approche de la forteresse de Mont-Louis, édifiée à 1600 mètres d'altitude. Donc Mont-Louis, c'est une ville forte assez extraordinaire qui, là encore, doit sa forme actuelle à notre architecte génial, Vauban. Donc il avait entrepris de fortifier l'ensemble de la ville. Sa situation géographique dominant la Cerdagne en faisait
un bastion privilégié pour surveiller toute tentative d'intrusion venant du sud. Vu du ciel, cette étoile à quatre branches est vraiment splendide. Depuis 2008, cette citadelle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Éric, saoulé de Lafond, quitte maintenant cette partie du massif fortifiée par Vauban. Il a terminé son repérage et se dirige vers le nord. Sur la route du retour, il survole une station de sport d'hiver, Font-Romeu, précurseur des loisirs de montagne. Les premiers hôtels y sont apparus à l'aube du XXe siècle et les premières remontées mécaniques ont permis d'y skier dès les années 30. Quand j'étais gamin, Font-Romeu avait accaparé toute mon attention parce que j'étais un fanat de ski. Font-Romeu avait vu les Jeux Olympiques. Donc c'est resté gravé dans ma mémoire. Mais c'est aussi une station qui est connue été comme hiver puisque les futurs champions olympiques depuis longtemps viennent s'entraîner sur ce site emblématique en altitude. Nous retrouverons Éric dans quelques jours pour une campagne de photos consacrée cette fois au plus haut sommet des Pyrénées. Le lendemain, le jour se lève sur la baie de Banyuls. Jean-Gabriel Soula et Régis Navarsatian sont amis et passionnés des Pyrénées. On y va cool, pas besoin de courir. Ils entament ce matin une longue randonnée. Elle va les conduire des bords de la Méditerranée jusqu'au cœur du massif. Il y a toujours du vent à Banyuls. Toujours. C'est ce qui aussi garantit la belle météo. C'est la partie des Pyrénées qui est méditerranéenne et donc toujours de grosses chaleurs. Donc il vaut mieux partir maintenant. On va passer du très chaud comme aujourd'hui au très froid probablement dans une dizaine de jours déjà. En ce début de mois de juillet, Jean-Gabriel et Régis ont décidé de rééditer une traversée qu'ils avaient réalisée quand ils étaient encore étudiants. On va pas voir grand monde pendant un petit moment quand même. Ça fait bon. Pendant une vingtaine de jours, les deux randonneurs vont emprunter les plus beaux chemins des sommets. Ils vont traverser les Pyrénées orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, pour arriver au pied des grands sommets des Hautes-Pyrénées. Un voyage exceptionnel de près de 22 000 mètres de dénivelé. Se mettre en canne, comme on dit. Il faut prendre le bon rythme pour bien attaquer, quoi. Pas courir, mais allonger le pas un peu, quoi. Rester au moins dans les 400, 450, voire 500 mètres de dénivelé à l'heure. Ouais. Il faut qu'on le tienne. Il faut qu'on le tienne parce qu'on... On s'est fixé ça. Et puis les premiers jours, ça va être un peu difficile, mais le corps s'habitue. Pour les deux marcheurs, les premières difficultés commencent sur les contreforts du mont Canigou. Il faut faire vite. Jean-Gabriel et Régis veulent passer leur première nuit au sommet. Les gens qui aiment la montagne, ils aiment toutes les montagnes. Mais... Nous, on est nés ici et on a grandi ici. Donc, il y a une saveur particulière à les traverser. Les deux amis doivent maintenir un rythme soutenu. Ils sont là. Le rocher. Un épais brouillard, arrivé de la vallée, surprend brusquement les deux hommes.
l'ascension devient périlleuse. Allez, Reg, on y est. Hop. Tranquillement. 10 derniers mètres. Et on se pose. Allez. Ils doivent passer une dernière arête pour découvrir enfin la fameuse croix du sommet. Installée en 1961, à 2784 mètres d'altitude. Ouh ! Bien ! Écoute, hein ? Il va falloir faire vite pour monter le camp. Ouais. Le vent se lève et la température baisse rapidement. Jean-Gabriel et Régis doivent impérativement se protéger du froid. Il faut aller très vite. Là, l'important, c'est vraiment de ne pas se refroidir. Ensuite, on part avec du matériel léger, mais du matériel très performant. Ça, on ne peut pas jouer à ces altitudes-là et sur ce genre de traversée. Ensuite, quand tout est monté, on est hors vent. Après ça, on peut manger, boire chaud, et tout de suite, on se requinque. Bojano, c'est prêt ? Ça va, oui. Ouais. C'est chaud. Au menu des deux randonneurs, une simple soupe lyophilisée et un café soluble. Tiens. Merci. Un café ? Allez, mon Dieu. C'est pas le meilleur café du monde. C'est pas grave. Mais c'est le meilleur endroit pour le boire. C'est ça qui est important. Voilà. Ah. À la tombée de la nuit, Régis profite du silence, loin de toute présence humaine. À chaque fois, être en montagne, c'est quelque chose qui est prenant, quoi. Ça permet de prendre du recul. Et sur le quotidien, sur le travail, sur la vie de famille, sur tout en fait. J'ai besoin de ces périodes pour me ressourcer et me retrouver. Ouais. C'est ça que ça permet la montagne aussi. Ici, on pose le moment. Hé hey, mon gars. Ouais. Demain. À demain, oui. Hop. Allez, vas-y. Oh là là, regarde, le soleil qui se lève. Jean-Gabriel s'est levé avant l'aube. Wouhou ! La côte méditerranéenne s'offre à lui. Le soleil se lève sur la Méditerranée. La crête des Alberts où on était hier matin. L'Espagne, plein sud. C'est une histoire de roches, c'est une histoire aussi d'un ensemble de cultures qui font un massif. Tu es catalan, tu es ariégeois, tu es béarnais, tu es bigourdan. T'es basque. T'es basque, t'es espagnol, mais avant tout tu es pyrénéen. C'est un massif, mais c'est des gens. Les deux marcheurs lèvent le camp. Ils vont maintenant traverser le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Dans une semaine, nous les retrouverons dans l'un des sites les plus renommés du massif, la Brèche de Roland. De 1000 mètres plus bas, sur les contreforts du mont Canigou, Julie Gimbal se dirige vers une pépite cachée de l'art roman. Historienne de l'architecture, elle sillonne régulièrement le massif pour étudier les monuments les plus spectaculaires. Là, on va au prieuré de Terrabonne, qui a été fondé au XIe siècle et puis après remanié au XIIe, et qui est particulièrement renommé pour la sculpture de ses chapiteaux,
Et le prieuré a quelque chose de particulier. De par sa situation géographique, j'aime bien l'idée que l'on se perde un peu dans les reliefs de la Catalogne. Pour accéder à l'édifice, sur 4 km, Julie suit le chemin que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle empruntent depuis près de 1000 ans. L'idée, c'était aussi que les gens montaient jusqu'au prieuré, donc c'est une ascension de l'âme en fait. C'est vraiment aussi physiquement que l'on devait endurer cette progression jusqu'au prieuré. C'est au milieu d'une forêt de chênes verts, à 600 mètres d'altitude, que l'église de Sainte-Marie domine les gorges de la vallée du Boulès. Le prieuré de Serrabonne, la bonne montagne en catalan, a été fondé au XIe siècle par une communauté de chanoines. Donc là, on pénètre dans le transept de l'église, c'est-à-dire c'est la section qui est perpendiculaire à la nef, et ça, ça a été rajouté ensuite, au XIIe siècle. Donc il faut imaginer l'église primitive ici. D'ailleurs, on voit au niveau des appareils de pierre qu'il y a, une différence de traitement. Et ici, nous avons la fameuse tribune qui a été installée au XIIe siècle et qui avait pour fonction l'installation du chœur au premier étage. Cette tribune, réalisée avec un marbre rose provenant des carrières de la vallée, a été sculptée par plusieurs générations d'artistes catalans. Tout le programme sculpté représente l'Apocalypse. Donc, qui dit Apocalypse, dit monstre, dit tout un bestiaire assez menaçant, comme ici Satan, qui est représenté par un griffon et un serpent. On a aussi le singe, qui est une forme de tentation ici. Et finalement, le point d'orgue, on l'a en façade, Jésus-Christ qui est symbolisé par l'agneau. Le travail ici est beaucoup plus en aplat et donc contraste avec les chapiteaux travaillés en relief. Ces colonnes-là ont une fonction symbolique qui est de canaliser le caractère parfois ombrageux ou un peu violent des hommes. Cet ensemble ouvragé est considéré comme l'une des plus belles réalisations de l'époque romane. Redécouvert par Prosper Mérimée en 1834, le prieuré de Serrabonne fut l'un des premiers monuments classés dans les Pyrénées orientales. Julie est attendue en Ariège. Un architecte vient d'y terminer une maison contemporaine ouverte sur la montagne. Elle doit d'abord traverser les vallées les plus élevées du département. Ça fait partie de l'idée de flâner, de découvrir tout ce patrimoine qui varie aussi hein, entre l'ouest et l'est. On n'a pas du tout les mêmes montagnes, les mêmes vallées. Et on ne s'en lasse jamais. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Julie Gimbal entre en Cerdagne, un vaste plateau à cheval entre la France et l'Espagne. L'historienne s'approche de Font-Romeu. Au centre de cette région protégée des pluies venues de la mer, la cité marque le début du tourisme pyrénéen. Font-Romeu est typiquement une station climatique créée de toutes pièces en fait, au début du XXe. Ce qui a lancé la station, c'est le Grand Hôtel en 1913. Montagne qui paraissait un petit peu hostile, dangereuse auparavant, devient une espèce d'entité à contempler, à domestiquer aussi. C'est grâce à l'arrivée du train dans la vallée que le plus grand palace des Pyrénées sort de terre. Façades et décors intérieurs sont conçus à l'image des hôtels parisiens. Et pour le faire découvrir aux voyageurs de la haute société, plusieurs campagnes de publicité sont organisées. Elles vantent le climat, la nature et le panorama grandiose. Rien n'est alors trop beau pour attirer au Grand Hôtel l'aristocratie de toute l'Europe. À 1750 mètres d'altitude, les adeptes de la villégiature peuvent jouer au golf et au tennis. Font-Romeu
devient rapidement le fleuron des stations pyrénéennes. Julie arrive maintenant dans les Hautes-Pyrénées pour traverser la vallée des Gaves, célèbre pour sa dizaine de stations thermales. Parmi les plus réputées, Luz Saint-Sauveur, Argelès-Gazost ou encore Cauterets. La jeune femme nous fait découvrir l'abbaye qui contrôlait tous les villages de cette vallée. On arrive à Saint-Savin, on aperçoit l'abbatiale ici qui a été érigée au XIIe siècle. Bâti sur les ruines d'un fort gallo-romain, ce monastère fut l'un des plus grands centres religieux du pays de Bigorre. Avec 42 mètres de long et 30 mètres de large, son aspect est imposant. Il faut encore une heure de route à la jeune historienne pour gagner l'ouest de l'Ariège, le Couserans. Julie vient découvrir l'une des plus belles constructions contemporaines de la région. C'est ici, au-dessus de Saint-Giron, que Stéphane Deligny a créé une maison hors norme, invisible depuis la route. On descend un petit peu sur le terrain. On aura une vue plus générale de la maison. L'habitation est entièrement ouverte sur la vallée. Le meilleur moyen pour sublimer la vue sur le piémont sans dénaturer la montagne. Le but, c'était de poser la maison juste sur la montagne, sur le pâturage. Sans toucher au relief en fait existant, voilà. Venir la poser comme ça. Cette maison est assez discrète, on ne la voit pas. Il y a plein de gens qui passent qui ne la voient pas. On a une toiture végétalisée qui la noie un peu plus. Elle est vue du dessus, donc on l'aperçoit très peu. Le projet est assez modeste dans son implantation, on va dire. Pour baigner de lumière l'intérieur, même en hiver, l'architecte a dessiné une succession de baies vitrées qui s'étendent sur plus de 30 mètres. On est vraiment dans cette idée-là, un peu de villégiature, de maison à la campagne. Il y a une forme de trait d'union, être à la campagne, profiter du paysage. On est sur la terrasse. Quand on est assis dans le canapé, on voit à travers les baies. C'est le plaisir qui guide un petit peu les choses, la simplicité aussi. Profiter des montagnes, profiter de la vue. C'est une très belle réalisation. C'est un peu la version contemporaine de ce qu'on appelait le belvédère au XVIIIe, donc avec une emprise très, très franche dans le relief et en même temps tout en discrétion. Donc l'architecture entre immanence et transcendance et qui donne vraiment à lire cette chaîne montagneuse et sublime. Nous abandonnons l'Ariège pour atteindre le centre de la chaîne et les Hautes-Pyrénées. À Saint-Lary-Soulan, nous pénétrons dans le parc national. Ici débute le paradis des montagnards. Nous dépassons le cirque de Gavarnie pour gagner le port de Boucharot à 2270 mètres d'altitude. C'est la voie normale pour venir ici pour les commerçants qui passent par là. À la hauteur du col des Tentes, Jean-Gabriel et Régis, les deux randonneurs que nous avions laissés au sommet du pic du Canigou, entament leur 18e journée de marche. Pour ce voyage, au fil des crêtes pyrénéennes, un ami accompagnateur en montagne les rejoint, Joël Casteran. Bon, ça tourne au grand beau quand même. Ça tourne au grand beau cette histoire, hein. C'est superbe. Grâce à lui, ce soir, ils bivouaqueront sur la brèche de Roland. Joël habite dans la vallée et connaît le moindre recoin de ce territoire. Allez, on va traverser les moutons. Donc ici, tu vois, on n'a pas de production fromagère en fait, hein. Ou très très peu en tout cas. Ah, c'est pour la viande là, les brebis. Là, c'est pour la viande. Ici, sur le secteur du Pays Toy, on a une viande qui est très goûteuse. C'est une AOC, un mouton du Pays Toy, de Barèche-Gavarnie. Donc en fait, la vie animale et la vie humaine, avec le pastoralisme, a vraiment un impact très important sur le paysage. Avec des paysages comme ça, tu m'étonnes qu'ils aient de la bonne viande.
Le trio longe une première arête. Surveille quand même les trous, Jean-Gabriel. Hein, parce que là, on a du calcaire, ça rongeait partout. Ah, t'as vu, on a la jonction entre du calcaire et du grès ici. Hein. On est vraiment sur un balcon. Hein. Les trois hommes doivent traverser une barre rocheuse coupée par un torrent. Enfin, après trois heures de progression, ils arrivent au col des Saradets. S'ouvre devant eux le cirque de Gavarnie. Tout à gauche, là-bas, on retrouve le petit pic d'Astazou, donc le bord le plus à l'est de Gavarnie. En suivant la crête, on arrive sur le grand sommet du Marboré, à 3248 mètres d'altitude. Et puis après, on trouve les trois pics de la cascade qui surplombent cette chute d'eau qu'on aperçoit là, dans le fond. Une belle chute qui fait plus de 420 mètres de hauteur, qui est la plus haute chute de France, avec un long passage, environ 200 mètres, où elle ne touchera pas la roche. On voit très très bien là. Il leur faut encore gravir quelques dizaines de mètres pour apercevoir le géant des Pyrénées françaises. Et voilà. Regarde. Le Vignemale. Son sommet culmine à 3298 mètres. Durant l'été, des dizaines de passionnés de montagne affrontent chaque jour ce sentier. Ah, il y a du monde un peu. Bah, oui, mais regarde, depuis tout à l'heure, tu vois, ils sont tous sur la descente. 15h. Là, 15h, ouais. Milieu de journée. C'est vrai qu'on dit la montagne se vide à 17h, 18h. Il reste les gens qui bivouaquent, les gens qui dorment au refuge. J'ai toujours l'habitude de voir cette montagne-là fréquentée. Ensuite, c'est vrai que nous, on la pratique souvent aux pointes du jour, 5h du matin. On a déjà attaqué à 4 parce qu'on aime voir le soleil se lever alors qu'on est déjà haut. Dans un endroit comme ça, on va voir du monde. Et ensuite, dès qu'on va s'éloigner des sites touristiques, on va partir plus vers l'ouest. Mais pendant 2, 3, 4 jours, on va peut-être rencontrer 1, 2, 3 personnes dans la journée. Plus on marche, plus on se retrouve seul. Un peu plus haut, la piste disparaît et laisse place à un gigantesque pierrier. Bon, t'as vu quand on trouve encore le Vignemale à droite ? Ah ouais, superbe. On va avoir une super soirée là. Allez. Ici, des névés, des langues de neige, résistent à la chaleur du soleil. T'as vu, c'est étonnant, hein, cette forme. Une forme que fait la neige ici. Bon, la neige est nickel, hein. Ça a monté tout seul. Cette couche épaisse s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Vous avez dû le voir, cet endroit-là, il y a 25 ans que vous êtes passé. C'était totalement en neige toute l'année. Ça ne fondait pas du tout, la roche était invisible. C'est vrai, moi je me rappelle l'avoir passé dans la neige ici. Il n'y avait même pas le creux qu'on a là derrière. Non, il n'y avait pas ça. Le glacier a totalement disparu au début des années 2000. Pourtant, il y a un siècle à peine, il faisait encore plus de 15 hectares. Les trois hommes progressent sur la moraine, un amas de débris rocheux érodé et transporté par l'ancien glacier. Enfin, après une heure de marche dans la neige, le trio atteint la brèche de Roland. Elle marque la frontière entre la France et l'Espagne. Cette muraille naturelle de calcaire sépare la Bigorre du Haut-Aragon. Les trois montagnards passent maintenant sur le versant espagnol.
et profite d'une vue imprenable sur le parc national d'Ordessa. Il longe d'abord les falaises de la pointe de Basillac en empruntant un pierrier qui mène à une succession de petits lacs et de névés. C'est ce décor magnifique que le guide a choisi pour passer la nuit. Bon, on va être pas mal là. Ils sont accueillis par un randonneur Bonjour. Solitaire. Bonjour. Salut Joël. Dominique. Régis. Enchanté. Jean-Gabriel. Salut. Ça va? Oui, ça va. Tu dors ici ce soir? Ouais, ouais, je vais dormir bon. Ici, ouais. Bon, tranquille, pas trop de monde. Parfait. Super. Ben écoute, on va être avec toi. C'est un peu moins tranquille, mais ça va être bien quand même. Hein. Allez. Dégage. Voilà, un petit bout à 4 étoiles. On a la brèche de Roland qui se reflète dans la petite mare. Le casque derrière. Allez, on va t'installer. Ce soir, les quatre hommes montent leur bivouac à 2600 mètres d'altitude. Just a little thing. Pour moi, c'est le top du top, dormir dehors. Dormir entre quatre murs, c'est toute l'année. Et là, c'est juste parfait de dormir dehors. On a tous notre notion du luxe. Moi, c'est la mienne, celle-là. Après, un hôtel et un spa, c'est agréable aussi. Hein. Mais c'est un autre plaisir, quoi. C'est notre plaisir. Moi, ça me plaît, ça. Ce coin-là, j'y suis venu pour mon bac pour la première fois. C'était mon cadeau de bac, un cadeau de mes parents. Ouais. Guidé, hein, avec un guide et tout. Hein. Tu vois, aujourd'hui, passer derrière le miroir comme ça, se retrouver là, hein, c'est du bonheur. Ouais. C'est du bonheur. On a vraiment des couleurs pastel qu'on n'a pas eues de toute la journée. Jean-Gabriel ne veut pas rater le coucher de soleil sur la brèche. Ce moment de la journée où les contrastes sont les plus doux. Demain matin, avant l'aube, les trois hommes reprendront leur traversée. Ils quittent le cirque de Gavarnie pour rejoindre 24 heures plus tard la vallée du Marcado. Et longe une succession de torrents, des gaves. Après une vingtaine de jours de marche, Jean-Gabriel, Régis et Joël profitent de l'eau cristalline du Marcado pour faire une grande lessive. Il n'y avait plus de t-shirt, il n'y avait plus de caleçon, il n'y avait plus rien. On n'a pas amené un t-shirt par jour. Et donc là, effectivement, on n'a plus rien de propre. Sur une traversée d'une quinzaine de jours, on ne peut pas se permettre d'avoir 20 kilos sur le dos, sinon on ne peut plus avancer. Il ne faut pas que ça devienne non plus un calvaire. Donc effectivement, on va se charger le moins possible. Donc il faut de temps en temps un peu laver, faire sécher. Si ça sèche pas rapidement, on le mettra sur le sac à dos pour que ça sèche et on continuera à avancer. Toute l'année, Joël emmène des randonneurs découvrir ce torrent qui serpente dans la montagne. Alors là au-dessus, il n'y a aucun glacier en amont. On est sur une montagne sans aucun glacier. On a des sources, bien sûr, de l'eau qui va passer sous la terre. Sur le secteur ici, en plus, on n'a aucune installation hydroélectrique en amont du village. Donc ce sont des débits d'eau qui sont entièrement naturels, sans barrage, sans prise d'eau. Donc on a vraiment du gave, vraiment à l'état originel. Le cours d'eau offre une succession de bassins et de toboggans naturels. Au bout d'une heure de pause, Joël ouvre la marche. C'est pas haut, ça fait bien. Il connaît parfaitement ce territoire. Allez, c'est parti, les gars. Tu viens voir où on arrive, là. Hein? C'est le vrai petit coin Isard. C'est parsemé de crottes par terre. Tu vois la vue qu'on a depuis ici. Les trois randonneurs quittent le plateau du Caillan pour s'enfoncer dans une épaisse forêt de conifères.
Ça va le rythme là? C'est bien. Allez, super. Hop là, belle fourmilière ici, Joël. Ah ouais, carrément. Oh. Même deux là. Ces fourmilières peuvent peser jusqu'à 20 kilos. Constituées de débris végétaux, les fourmis y stabilisent la température de leur nid entre 25 et 30 degrés. La chaleur requise pour l'éclosion des œufs. Les besoins d'une fourmilière comme ça sont considérables. On aurait une fourmilière comme ça dans la forêt, on pourrait dire, bon, allez, c'est un coup de bol. Mais là, regarde, on a une là, et si on va chercher plus loin, on va en trouver des dizaines qui sont souvent en interaction, en fait, les unes avec les autres. Et donc, cette organisation-là, ce peuple de fourmis qui doit vivre dans cette forêt-là, a besoin d'une forêt en bonne santé. Donc, c'est toujours un bon signe quand on a beaucoup d'insectes dans une forêt. Les fourmis ont inventé un système ingénieux pour se protéger des agressions. En fait, ça fait un peu peur. Hein. Quand on vient à mort de pas, en fait, hein. Quand on est taquiné, regarde un petit peu, elles se dressent sur leurs pattes arrière, elles mettent leurs fesses en avant. Tu vois, ça, c'est vraiment clair. C'est leur moyen de défense. Tu vois, elles se regroupent. Hein. Elles n'évitent pas du tout mon doigt. Et en fait, dans leur derrière, là, elles ont vraiment de l'acide, en fait. Prends en une, tu vois, franchement, juste, tu la dégustes, comme ça. Et ouais, mais je fais pas de mal aux mauvais animaux. Bah, franchement, elle va te faire du bien. C'est un petit goût de citron. C'est ni écœurant, ni rien. Alors, ça va, si tu veux pas goûter, tu peux aussi la tapoter comme ça, la fourmilière, tu vois. Tu mets ta main à 1 cm, là, tu les excites un petit peu. Voilà, et là, après, regarde, là, c'est l'acide formique. Moi, j'adore cette odeur. Ouais, j'adore aussi. Ah, c'est un peu vinaigré, ouais, quoi. Ça sent très fort aujourd'hui. Hein. La vallée du Marcado, protégée de l'empreinte humaine, est un sanctuaire pour la flore d'altitude. Le groupe s'engage maintenant dans une clairière. Dans quelques mètres, on va arriver vraiment sur une zone avec une végétation très humide, hein, qu'on appelle les tourbières. Hein. Alors là, on va marcher sur de la mousse. On va marcher sur un tapis d'éponge. Ce qui est très confortable et ce qui est encore plus agréable quand on enlève les chaussures. Au cœur du parc national des Pyrénées, on recense près de 2500 espèces végétales, dont plus de 200 sont endémiques, comme une plante carnivore, la Drosera. Je ne sais pas si tu l'as aussi bien là, regarde celle-là, elle est magnifique. Et là, j'ai quand même un petit insecte dessus. Voilà, qui est en train d'être décomposé. Très, très joli, là, ici. Tu vois les pointes bleues qu'on a là, hein. Vas-y. Et ça colle, quoi. Touche-les, ouais, voilà, ça. Alors, nous, dans le pays, on ne dit pas que ça colle, on va dire que ça pègue. Voilà, je ne sais pas si tu le vois. C'est un mouchon, ok. Non, en fait, on voit vraiment les filaments de colle qui sont là. Il y en a partout. Donc ça, on essaie de les préserver. Et là, il ne faut pas qu'on y passe non plus tous les jours. Hein. On peut se permettre aujourd'hui, tous les trois, mais on ne va pas y passer qu'un groupe de 50. Donc on a vu les petites Drosera, les plantes carnivores. Partout autour, là, tu vas voir cette espèce de mousse, là, qui a une forme un petit peu en étoile, qui est de la sphaigne. En fait, on pourrait creuser longuement. Alors, j'enfonce le bâton, regarde un petit peu. Donc en fait, je vais entrer sans aucun problème là-dedans. Parce qu'en fait, on a quasiment pas de fond. Là, tu vois, je commence à peine à toucher les cailloux. On a quasiment pas de fond là-dessous. En fait, la sphène pousse elle-même sur sa propre sphène qui est en dessous et ainsi de suite. Et dans ces milieux-là, en fait, tous les composés organiques, les graines, parfois certains animaux vont très bien se conserver. Donc en étudiant les carottes qu'on fait en profondeur, on trouve des pollens qui en disent long sur le climat qu'on avait autrefois dans les Pyrénées et ailleurs. La montagne, il faut savoir quitter les sentiers parcourus de temps en temps, mais le faire à bon escient, pas n'importe comment, pas n'importe où. On ne va pas y amener ici un grand groupe de 50 personnes, parce que là, en fait, ce qui rend la montagne précieuse ici, eh bien, on l'abîmerait et on le condamnerait à court terme. Là, c'est quand même beau, hein. Ah. Là, si on en veut des Pyrénées, on y est. Après une heure de marche, le trio retrouve les lacets dessinés par le gave. C'est beau là, hein? Superbe. Ah, tu vois, on a de belles piscines encore. Hein? Aïe, aïe, aïe. La richesse en eau ici est remarquable. On voit des cascades partout, hein, dans chacune des vallées. Là, où que tu ailles, il y a des lacs. C'est l'endroit, l'eau est reine ici. Ça va ou quoi? Il leur a fallu plus de 3 semaines depuis les rives de la Méditerranée pour rejoindre les Hautes-Pyrénées et installer leur ultime bivouac à l'entrée d'un cirque. Au centre de la chaîne,
à moins d'un kilomètre de l'Espagne. Là, on est au Mercado, on est donc à l'endroit où autrefois les bergers français et espagnols se rencontraient. Mercado, le marché, c'est important. On est sur une zone qui a été façonnée par les glaciers. On a plein de zones partout, de zones moutonnées, ce qu'on appelle ces rochers arrondis là, qui ont été polis par le passage des glaciers pendant des millénaires. Et en fait, il y avait un glacier dans chacune de ces vallées. On retrouve ces formes-là dans chacune des vallées. Et ces glaciers se rejoignaient ici. Et donc, comme ils sont venus en fait se retrouver là, ben, ils sont venus bien lisser l'endroit là. C'est pour ça que la zone est particulièrement plate ici. Hein. Enfin de l'herbe. Ça, c'est beau. Regarde ça. Je suis un peu triste que ça soit la fin déjà. Je suis un peu fatigué en plus, du coup, je suis un peu ému, voilà. C'est comme ça, c'est parce que comme toute fin de périple, on a vécu des super moments et on sait qu'on va retourner à nos activités quotidiennes et du coup, voilà. Pour leur dernier repas, Joël a concocté une petite surprise gastronomique. Là, ce soir, c'est un peu atypique quand même, hein. Menu de gala, crêpes, jambon fromage, un peu de foie gras et un petit verre de vin. Une fois n'est pas coutume. Un petit, ouais. On fête un peu la fin de notre périple en essayant de faire quelque chose d'un peu amélioré. À ces beaux moments. Allez, à santé, les gars. Santé. Aux 20 ans. Ouais. L'année prochaine, Jean-Gabriel et Régis prolongeront leur aventure. Cette fois, ils repartiront de ce site exceptionnel pour marcher jusqu'à l'Atlantique. La photo est bonne, Dani. C'est parti. À près de 120 km de la vallée du Mercado, au-dessus des Pyrénées-Orientales, un avion se dirige vers le centre du massif. Michel de Saint-Blanca est géologue. Il est spécialiste des chaînes montagneuses. Le scientifique complète régulièrement ses travaux de terrain par des heures d'observation aérienne. Aujourd'hui, il va parcourir près de la moitié des Pyrénées. Survoler la montagne sacrée des Catalans, le Canigou, puis remonter une vallée glaciaire spectaculaire et gagner l'Ariège pour découvrir la plus grande carrière de talc au monde. Il y a des choses qu'on voit dans les Pyrénées qu'on ne voit pas ailleurs. C'est une chaîne qui possède une dizaine de sites géologiques qui sont de classe mondiale. Moi, je suis géologue tectonicien, j'étudie la structure, la géométrie, les déplacements, les déformations. Et donc là, les plaques qui sont en jeu, c'est la petite plaque ibérique qui est au sud, avec l'Espagne et le Portugal, qui s'est rapprochée et s'est entrée en collision avec l'Eurasie à cause de l'Afrique qui l'a poussée par derrière. Et le massif du Canigou qu'on voit ici en face de nous, c'est un massif donc lié à la formation des Pyrénées, mais qui est constitué de roches beaucoup plus anciennes, puisque c'est un granit qu'on a daté à 470 millions d'années. Donc là, ici, on a on voit sous les yeux, le géologue, quand on regarde ces cailloux-là, on a une fenêtre ouverte sur le passé. L'avion se dirige maintenant vers l'ouest. À la frontière entre le plateau de la Cerdagne et celui du Cap-Cir. Vers l'ouest, il y a le massif du Carlit. Là, on voit ce qu'on appelle des petits glaciers rocheux. On voit des landes, des collines avec des cailloux posés dedans un peu n'importe comment. Et là, on voit bien, c'est magnifique. Là, cette vallée, c'est une ancienne vallée glaciaire. D'Andorre, et là, on voit le pas de la case, là-bas. L'avion prend de l'altitude et quitte les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc on vient de passer le col du Puy-Morin et on arrive en Ariège.
À 30 km de l'Espagne, au bout de la vallée d'Ax-les-Thermes, apparaît Luznac. Au-dessus du village, à 1800 mètres d'altitude, la montagne abrite un site que Michel étudie depuis 20 ans. La carrière de Tal de Trémouns est en face de nous, là, avec le massif du pic du Soularac et du Saint-Barthélemy qui sont juste à gauche. Cette carrière de talc à ciel ouvert est la plus grande du monde. Fondée en 1905, chaque année, on extrait ici 400 000 tonnes de minerais. Nettoyée et concassée, cette roche tendre est utilisée dans l'industrie, l'alimentation et les soins corporels. Donc là, le talc, il est dans un trou, il est dans le trou au fond de la vallée qui est entre les remblais qu'on voit devant nous et les gradins tout au fond. Ce n'est pas de la neige ni de la glace, c'est une roche. C'est un minéral qui s'appelle le talc. En tout cas, je l'avais jamais vu comme ça. C'est merveilleux. Le lendemain, Michel de Saint-Blanca retrouve Alexandre Boutin, l'un de ses élèves. Il partage son temps entre l'Université de Toulouse et le site de Luznac. Le talc, c'est simple à reconnaître. Parce que c'est le minéral le plus tendre. Sur une échelle de dureté, il est à 1, c'est le plus bas. On voit de suite, ça se sculpte très bien quoi, avec les mains. C'est pas pour rien qu'on en met sur les fesses des bébés. Quoi. Alexandre étudie ici depuis 3 ans. Il connaît aussi bien l'histoire de la roche que celle des hommes qui l'ont travaillée. Et avant, c'était la piquette qui travaillait, qui extrayait le talc, comme ça, en dégrossissant les morceaux avec un petit marteau. Au 19e siècle, le talc était broyé dans des moulins à farine. Voilà, petit bout de talc. Réduit en poudre, il était ensuite acheminé à dos de mulet pour être vendu. C'était surtout les bergers donc, qui venaient ici, qui venaient se frotter les mains sur la fleurement directement. Il faut imaginer qu'en fait, on avait 200 mètres de roche au-dessus de la carrière. Et ils venaient, ils passaient, ils ramenaient des morceaux de talc qui descendaient dans la vallée. Et ces morceaux de talc ensuite allaient à Toulouse chez les apothicaires. Et ça entrait dans la composition de médicaments ou autre. Michel de Saint-Blanca reprend la route. Il quitte le cœur de l'Ariège en direction d'un autre site où l'histoire du massif se lit à ciel ouvert. Randonneur averti, c'est à ses parents que le scientifique doit son amour des Pyrénées. Le premier 3000, je crois que c'était le pic long dans les Hautes-Pyrénées. Je vais avoir 12-13 ans par là. Mon père avait l'habitude de faire la montagne, ma mère aussi. Donc. Le goût de la géologie vient de là ? Je pense, oui. Je pense, oui, d'arpenter les montagnes, de voir des paysages variés, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe, ramasser des cailloux. Ça fait combien de temps que vous les sillonnez les Pyrénées ? Pour le travail, donc ça va faire, voyons voir, une petite trentaine d'années. Après 2 heures de voiture, le géologue quitte les vallées forestières de l'Ariège pour pénétrer dans les Hautes-Pyrénées. Michel poursuit sa route pour rejoindre l'un des sommets les plus majestueux du massif, le pic du Midi de Bigorre. Il doit y retrouver un autre étudiant à qui il transmet son savoir. Depuis 1878, le petit plateau qui couronne le sommet du pic du Midi de Bigorre accueille un bâtiment hors norme, accroché au bord du précipice. On l'appelle le vaisseau des étoiles. Grâce à la pureté de l'atmosphère, des scientifiques ont créé ici le premier grand poste d'observation astronomique en altitude.
Nous voudrions aujourd'hui mettre à l'honneur des hommes dont on parle rarement. Des savants qui s'apprêtent à affronter un nouvel hiver sur un sommet pyrénéen, à l'observatoire du Pic du Midi. Sorte de sorciers modernes, les habitants de ce nid d'aigle ont d'étranges occupations. Après 30 ans de travaux herculéens, au cœur de la montagne, en 1908, le premier télescope est installé. Le pic du Midi de Bigorre devient alors une référence. Des générations d'observateurs viennent y percer les secrets du ciel. Avant l'ère des satellites, c'est grâce aux lentilles géantes installées ici que furent réalisés les clichés de la Lune pour préparer les missions Apollo. Isolés du reste de l'univers, les hommes veillent sur d'autres hommes dans le grand silence des monts. On peut monter là, voir. Pour mieux comprendre la formation du massif, Michel de Saint-Blanca a rendez-vous avec un de ses élèves à 1500 mètres d'altitude. Ici, on voit des coups à toutes les échelles. Là, ouais, là on les suit, c'est symétrique. Et puis on en voit des plus gros derrière aussi. Ouais. Baptiste arpente cette montagne depuis 3 ans. Et on est toujours dans cette roche claire, le marbre des Vosges. D'accord. C'est parti, on va prendre un échantillon. Vas-y. Un bon géologue pour un marteau ? Ah, toujours, c'est indispensable. C'est le premier outil, l'outil de base, pour récupérer ces échantillons. Donc on prend des morceaux comme ça, comme celui-ci. On regarde un peu ce qu'il y a dedans. Donc on a le deuxième outil, c'est la loupe, pour regarder les éléments qui composent cette roche. Et puis la boussole pour mesurer sa déformation. Et à partir de ces cailloux-là, on va vraiment raconter l'histoire de ce caillou. À chacune de ses missions sur le terrain, Baptiste prélève des dizaines de petits blocs de roche. J'oriente ce plan. Parfois, on part plusieurs jours, donc c'est plusieurs jours de travail qu'on ramène sur le dos. Ça veut dire que chaque voyage, chaque randonnée, vous ramenez des kilos de pierres. C'est peut-être pour ça que j'ai mal au dos. Ouais. Ah, et que j'ai un genou en compote, mais bon, ça va. Ça fait un peu sourire quand on dit qu'on est ramasseur de cailloux, quand on parle à des gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là, mes grands-parents qui sont agriculteurs, je leur dis que je vais ramasser des cailloux, ils rigolent un peu. Donc faut essayer de leur expliquer que c'est pour comprendre l'histoire de cette chaîne de montagnes, comment les continents sont déplacés, etc. Et toute l'histoire depuis sa formation, il y a des centaines de millions d'années. Michel et Baptiste passent le col de Sancourt, à plus de 2000 mètres d'altitude. On arrive au pic. En quelques minutes, les deux scientifiques atteignent le site le plus étonnant du pic du Midi. Ici, les plis qui racontent la formation du massif sont visibles à l'œil nu. Moi, mon travail, c'est ce qu'on voit ici, c'est une chaîne qui était là avant les Pyrénées qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut observer, les paysages qu'on a. C'est une chaîne qui était là depuis le Portugal, dans toute l'Europe. Et c'est cette partie-là que j'étudie ici, cette partie-là qui forme tout le cœur des Pyrénées, qui s'appelle la chaîne hercynienne, qui a donc 300 millions d'années. Prends ce morceau-là. Vas-y. À l'ère secondaire, au temps des dinosaures, l'Europe et l'Afrique s'éloignent, puis se rapproche à plusieurs reprises. Donc je prends la mesure. C'est lors de ces collisions que naissent les Pyrénées. Pour les géologues, ces roches affleurantes sont des marqueurs et des sources d'informations. On est historien, mais notre échelle de temps, ce n'est pas l'année, le mois, le jour ou l'heure, c'est le million d'années, on va dire, ou la centaine de milliers d'années. Et oui, on raconte l'histoire de la Terre, mais pour comprendre aussi comment elle fonctionne aujourd'hui. Nous quittons le pic du Midi de Bigorre pour nous rendre plus à l'est. Après les sommets des Hautes-Pyrénées, apparaît à 80 km un massif forestier. Il faut longer le parc national des Pyrénées ariégeoises
en direction de la frontière avec l'Espagne pour découvrir la montagne emblématique du Couserans. Visible de loin, massive, elle est aisément repérable dans la chaîne. Le seigneur du Couserans, le mont Valier, culmine à 2838 mètres d'altitude. Dans un repli de la face nord-est, une masse de glace, l'Arcouzans. Il est à la fois le plus oriental, mais aussi le plus bas des glaciers de toute la chaîne des Pyrénées. Aujourd'hui, ce vaste territoire est une réserve naturelle répartie sur 5 vallées. Au pied du mont Valier, un hélicoptère remonte la vallée du Ribeiro. Nous sommes le 1er juillet. Ce soir, un dîner gastronomique doit avoir lieu à 2246 mètres d'altitude, au refuge des Estagnaux. Et pour ça, il faut acheminer 300 kilos de nourriture. Au sol, pour réceptionner l'héliportage, le gardien du refuge, Laurent Triolet, est soulagé. Sauvé. Attends. Le dîner gastronomique, qu'il organise une fois par an, aura bien lieu. Dans son filet, des boissons, de la viande, du poisson. L'hélicoptère réalise une deuxième rotation. Après les victuailles, un groupe électrogène est apporté en renfort. Stéphane Amiel, l'autre gardien du refuge, a rejoint Laurent. Les deux compères organisent depuis 13 ans ce rendez-vous culinaire. Ça, c'est une solution d'urgence. Ça permet de garder les congélateurs en vie, donc la marchandise qu'on a montée en plus il y a peu de temps, et ils sont pleins. L'événement a beaucoup de succès. Ce soir, on attend 40 convives aux Estagnaux. Pendant ce temps, la chef de cuisine, qui doit préparer le dîner de ce soir, monte au refuge. Venez par là, venez par là. Géraldine Portolès a quitté son restaurant de Mirepoix très tôt ce matin avec ses deux enfants et une amie. Allez, Lily, juste en haut, derrière le gros caillou là-bas. Vas-y, suis. L'ascension et la préparation de ce repas sont des rituels que la restauratrice ne manquerait pour rien au monde. C'est la 14e montée pour ce repas et il n'y en a pas eu une pareille. Le paysage est toujours différent. Une fois il y a la neige, une fois il n'y en a pas, une fois il pleut, une fois il fait soleil. Là on a de la chance. Géraldine met à profit cette ascension pour concocter son menu. Pas tout droit, vas-y. À la fois cuisinière et botaniste, cette ariégeoise connaît parfaitement toutes les herbes et les fleurs de sa montagne. Alex, juste, tu ramasses pas la fleur, hein ? Juste les feuilles. Des chénopodes, autrement dit, des épinards de montagne. Juste dans la poêlée d'huile d'olive, là, sautée. Là, c'est le petit fenouil sauvage. Mmh. C'est anisé. Mmh. Ça va très bien avec le poisson. Là, c'est la réglisse. On va peut-être faire un caramel à la réglisse avec le dessert. Je vous dis pas ce que c'est. Géraldine poursuit sa cueillette. Ce soir, ses fleurs vont décorer ses assiettes. On va les faire flotter. Ouais. C'est un repas féerique, dans un endroit plein de couleurs, idyllique et festif. Après 5 heures de marche, le petit groupe passe le cap des 2000 mètres d'altitude. Ouais, le refuge! À 16 heures, les Estagnaux sont en vue. Bon, ça a été, vous avez eu beau temps. Super, c'est régalé. Parce que ça va changer, on dirait. Ouais, pas trop chaud, en plus. Sans attendre, la chef passe en cuisine. Il y en a qui ont faim, là. Ouais. La météo est menaçante et aucun client n'est encore arrivé. Un épais brouillard enveloppe maintenant le refuge. Stéphane, le maître des lieux, est inquiet. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent ? Ça va ?
Ah, j'entends parler. 16h30, un premier groupe atteint le refuge. On touche au but. On a failli avoir peur. Pour ça que je suis venu vous chercher dans le brouillard. Hein? Depuis l'année dernière? Bah écoute, ça roule. Bonjour. On arrive, on est neuf. Hein. Ouais, super. Vous, chien. Ces Lyonnais viennent pour la troisième fois. Je mettrai la réglisse là. Pour élaborer son repas gastronomique, Géraldine dispose de moins de 2 heures. C'est quoi le menu ce soir? Alors, le menu ce soir. Une dombée d'épinards des Espagnols avec un œuf poché de caille, avec un lard séché et un petit jus de viande qui est en train de cuire. Cette année, on est parti sur du cabillaud. On va faire une émulsion, une hollandaise un petit peu revisitée, montée à l'huile d'olive et citron. Tout simple. Et pour finir, une coque en chocolat caramel avec des petites fleurs en déco et poire séchée. Tu veux le faire, Laurent? Ouais. Laurent, le maître des lieux, prête main forte à la cuisinière. Car rien ne se passe vraiment comme dans la vallée. Les conditions de cuisson ne sont pas les mêmes qu'en bas. Ce qui cuit en une demi-heure cuit en trois quarts d'heure ici. C'est l'altitude. Là, du coup, on triche. Hein. On va pocher les œufs dans un papier film. C'est pour gagner du temps pour le service. Système D. On est déjà dans du menu gastronomique vrai pur et dur, donc je manage le matériel en fin de compte. Ouais. Non, mais c'est le matériel à quel on n'est pas habitué. Pendant ce temps, l'autre gardien du refuge, Stéphane, se charge du vin. Des Côtes du Roussillon, un Faugère, Coteau du Languedoc, ce qui a une, ça c'est une de mes, un de mes chouchous. Laurent et Stéphane ont creusé à même la roche cette petite cave où reposent de jolies bouteilles. Les gens sont très très surpris. Alors, il y a même des gens qui se font faire une photo dans la cave ici. Et on a même organisé une fois une petite soirée parce qu'il y avait très peu de gens. Une petite soirée dans la cave. Il est 18h, dehors la température baisse. Les convives passent à table. En cuisine, Géraldine met la dernière touche à son entrée. Voilà, super. C'est tout le monde à table? Ça part dans 5 minutes. Sur les épinards de montagne, trône un œuf de caille, surmonté d'une fine tranche de lard. Allez, go. Visiblement, la recette improvisée pendant l'ascension est un succès. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment délicieux. Vas-y, là, tu mets la tuile de ce côté. Place maintenant au cabillaud, parfumé au fenouil sauvage, cueilli dans l'après-midi. Le jus à droite. Oh. Vas-y, Laurent. La petite cuisine de 20 mètres carrés tourne à plein régime. Le challenge, c'est d'envoyer chaud. Martine, tu peux envoyer? Oui, c'est que le début. Ouais. C'est un petit peu anisé. Ouais. Ouais. Et c'est léger quand même, mais c'est un petit peu... Très bon. Faire des repas avec des goûts aussi parfaits à 2200 mètres d'altitude, c'est très agréable. Tradition oblige, en fin de repas, les marcheurs gastronomes profitent des derniers rayons de soleil sur les Pyrénées espagnoles. On voit encore le soleil là, entre juste les deux nuages. La chef, Géraldine Portoles, peut enfin apprécier le panorama. C'est ce qui rend la magie aussi du repas. C'est la grande surprise pour tous les randonneurs. C'est magnifique ça. On refait l'année prochaine. Ah bah oui. Cinq mois plus tard,
la neige recouvre le massif. Nous avons quitté l'Ariège pour les Hautes-Pyrénées. Nous avions laissé Joël Casteran dans le cirque du Marcado en été. Nous le retrouvons à Gavarnie à la fin de l'hiver. Dans le pays, on appelle ça de la garbure, hein, ce qu'on a sous les pieds. La garbure, c'est la soupe épaisse, quoi. Hein. Donc là, faut des cuisses, faut des bons skis. Il accompagne Stéphane et Julien pour une randonnée à ski à 1800 mètres d'altitude. Venez voir ça. Vu. Alors, on a la brèche de Roland qui est tout au fond là-bas. Le passage vers l'Espagne. Qui est 1000 mètres au-dessus de nous, quand même, l'air de rien. Et là, on a tout Gavarnie qui se dégage. Creusé dans le massif, à l'époque glaciaire, le cirque de Gavarnie affiche des dimensions gigantesques. Pour le Pyrénéen, c'est un endroit qui est très important. On a 1500 mètres de parois, c'est absolument énorme. Hein. On a là plus haut que la façade des Grandes Jorasses, hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même impressionnant ce que l'on a. Cet amphithéâtre naturel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Ah, et de la pente, hein, je vous avais dit ici. Hein. Joël connaît parfaitement ce haut plateau qu'il arpente toute l'année. Moi, j'ai la montagne qui change. L'hiver, j'adore la montagne et je rêve du printemps. Le printemps, ça me tarde l'été. L'été, j'adore les couleurs d'automne et l'automne, j'attends les premières gelées. Donc, c'est la montagne en toute saison qui nous plaît. L'hiver, seuls quelques skieurs chevronnés s'aventurent ici. Faire une randonnée comme ça dans un espace complètement vierge, sans tout ce qui peut être construit par l'homme, être totalement dans la nature et être en osmose un peu avec ce milieu. Et c'est surtout ça qui est intéressant. On a même le silence. C'est pas des endroits où on l'a partout. Les skieurs atteignent une crête à 2240 mètres d'altitude, le point culminant de leur course. La descente, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quand elle est bonne, on apprécie. Quand elle n'est pas bonne, on fait avec. On ouvre quand même grand les yeux et puis on profite du spectacle. Allez, Jules! Allez, Steph, c'est pas terrible, mais... On va tenter deux, trois petites courbes ici. Allez, Steph! Wouh! Wouhou! Au pied du pic des Astazous, quelques heures plus tôt, une coulée de neige a modifié le relief. Les trois skieurs doivent ralentir le rythme. Trois heures plus tard, la cabane est en vue. C'est à la nuit tombée qu'ils atteignent enfin leur objectif. Ça y est, quoi. Ouais, y est. C'est cool. On plante les skis, on leur dit à demain. Et que la soirée commence. Depuis 14 ans, dans la forêt du Paya, Francis accueille les randonneurs. Et écoute, on va laisser bien griller, on pourra mettre l'autre côté. Ouais. Et après, c'est parti, hein. Joël a tout prévu. De son sac, il a sorti le dîner. C'est quoi le menu, Joël, ce soir, hein? Des côtelettes d'agneau. Des côtelettes du pays, hein? Pas l'agneau d'Argentine ou de l'agneau d'Australie, hein? De l'agneau d'ici. Et tu sais qu'elles ont skié avec nous, ces côtes d'agneau-là. Ça fait partie vraiment de la sortie en montagne. Alors, bien sûr, on peut se suffire de la nourriture lyophilisée ou n'importe quoi. Là, voir ça, ben, ça ramène le côté un peu sympa. Hein. Allez, garçons, c'est parti! Allez, hop! Oh là, c'est beau, ça. Allez. Non, mais range ton couteau, là. On ne peut pas manger avec un couteau les côtelettes d'agneau. Moi, je compare souvent
La montagne ici a un jardin. T'as des gens, ils ont leur jardin à la campagne. Ils prennent plaisir à mener les gens, voir un petit peu le petit bosquet et compagnie. Nous, on amène les gens dans un jardin qu'on connaît bien, qu'on aime énormément. On ne va pas dire qu'on participe à la beauté de ce jardin, mais en tout cas, on va participer à le faire découvrir. Et cet accompagnement-là, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ouais. Le lendemain, dès 8h, Joël est en route pour Cotteret. On doit reprendre cette petite route-là. On domine tout Cotteret, tout le village de Cotteret. L'accompagnateur s'est installé ici, il y a 20 ans. Cotteret, c'est un grand territoire qui est fréquenté par l'homme, par le berger d'abord, depuis 6000 ans. Ensuite, on a trouvé une petite présence gallo-romaine, tu vois, sur le flanc de la montagne en face, autour des sources. Et puis ce village, au fur et à mesure des siècles, va occuper beaucoup plus l'espace en fond de vallée, pour plus de confort, et va devenir une petite ville, une vraie petite ville, courant 19e. Donc c'est vraiment un endroit que j'aime énormément. Et là, on domine vraiment l'histoire de notre vallée ici. Au 19e siècle, le thermalisme, l'or bleu, bouleverse la vie de ce petit bourg paisible et va en faire sa fortune. Grâce à la qualité de ses eaux chaudes et soufrées, de nombreux établissements thermaux voient le jour. Cotteret connaît alors son heure de gloire. Elle devient rapidement l'une des villes d'eau les plus prisées d'Europe. En moins de 30 ans, un casino, des dizaines de villas, des hôtels sortent de terre et attirent de nombreuses personnalités. Il faut imaginer Georges Sand qui est venu ici, Chateaubriand, Victor Hugo bien entendu, hein, qui a laissé ici certains de ses plus jolis poèmes. Donc c'était vraiment l'endroit où il fallait être. C'était une sorte de Saint-Tropez, en fait, à l'époque. Joël s'engage sur l'avenue du Mamelon Vert, où dès 1840 sont bâties ces villas cossues. On va trouver les premières maisons, on va dire, bourgeoises. On va rencontrer une drôle d'architecture ici, tu vois, avec une rotonde, une isba, avec un chalet un petit peu russe. On est là à la Villa Galitzine, du nom d'une princesse qui est venue à Cotteret, hein, vers la moitié du 19e siècle. Là, on rentre dans le boulevard La Tapiflure. Hein. C'est vraiment la plus jolie rue de Cotteret, qui a été vraiment construite en harmonie avec la vallée, tu vois, dans l'axe de la vallée, donc ça ouvre le paysage derrière sur les montagnes enneigées. Cette rue abrite un pan de l'histoire de l'architecture hôtelière du 19e siècle. Sur à peine 500 mètres, deux palaces sont construits, transformés aujourd'hui en appartements. Il faut imaginer tout le faste qu'il y avait ici. On recevait la clientèle aristocrate et bourgeoise de toute l'Europe, et donc on avait des établissements qui étaient à la hauteur de cette clientèle-là. Un peu plus loin, un autre bâtiment d'exception. Cette gare en bois est édifiée en 1898 pour accueillir curistes et voyageurs fortunés venus de toute l'Europe. Il faut imaginer cet endroit-là avec les chemins de fer qui arrivaient là, les gens qui sortaient, les grandes robes, ces messieurs en costume, les calèches qu'ils attendaient, les différents hôteliers qui envoyaient des gens pour venir attirer cette clientèle richissime dans leurs établissements. C'était grouillant de monde et de beau monde. En 1981, cette gare a été inscrite au titre des monuments historiques. Au XXe siècle, Cotteret connaît un nouvel essor avec l'apparition du ski. En 1948, un téléphérique relie la vallée à la haute montagne. La station thermale devient alors l'une des toutes premières stations de sport d'hiver des Pyrénées.
Joël quitte la ville. Sur 7 km, il remonte la vallée de Cotteret en suivant le Gave. Depuis toujours, cette route escarpée mène à l'Espagne. Alors étonnamment, cette vallée que l'on remonte là, où on a une route aujourd'hui tu vois, qui est accessible à tout véhicule, cette vallée est super encaissée, elle était pas si facilement fréquentable autrefois. Quand on lit les écrits fin 18e, la balade jusqu'à la cascade du Cerisé, où on va arriver dans quelques minutes, c'était une aventure incroyable dans une forêt peuplée de loups et d'ours. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on y passe en bagnole, on va à peine regarder cet environnement qui est très hostile en fait hein, autour de nous. Hein. Joël arrive au pont d'Espagne, bâti à la fin du 19e siècle, au milieu d'une forêt de conifères à 1496 mètres d'altitude. Ultime ouvrage de pierre avant la frontière, il est posé au confluent de deux puissants torrents, les Gaves de Gaube et du Marcado. C'est ici que l'accompagnateur rejoint un groupe de randonneurs. Tout le monde va bien ? Durant 3 heures, il va les guider en direction des premiers lacs à 1700 mètres d'altitude. Là, c'est la cascade. La grande cascade du pont d'Espagne, si on peut dire, pas grande par la taille, mais par le débit, hein, qui peut être très important parfois, et qui est surtout hyper connu, c'est l'image vraiment de marque du site ici, cette cascade. Un peu plus haut, les randonneurs traversent le torrent pour atteindre les premières neiges. Attention à vous. Et chausser des raquettes. Ça, ça va. Allez, on va s'échapper par là-bas, nous. Ils abandonnent le torrent pour s'enfoncer dans la forêt. Ça va, c'est pas trop dur ? Ici, les arbres sont protégés depuis plus de 50 ans. On est dans un parc national, vu que tous les arbres morts, en fait, on les laisse en place. Mis à part, ça gêne un sentier. Autrement, on laisse tout en place. Parce qu'un arbre mort, ça va se remplir de vie. D'abord, on va voir les insectes, quand on voit les traces là, tu vois. Insectes xylophages qui se nourrissent du bois. Et derrière cette faune toute petite, on a une faune plus importante qui va arriver. Qui va être, donc là, les oiseaux. Et là, donc, on a des trous hein, qui sont ceux, bien sûr, de la grande famille des pics. Une fois que ça tombe par terre, là, c'est de l'humus. De l'humus, ça va créer, en fait, de la vie pour des mousses plus tard, pour de futurs arbres. Donc, en fait, c'est du recyclage vraiment de bois mort. On le remet par terre, hein, il va repousser, être réutilisé par la nature. Donc là, c'est un excellent exemple d'écologie à long terme. Au cours de ces dernières années, la région de Cotteret bat des records d'enneigement. On va rejoindre le chemin. Alors ici, à Gaube, comme on fait plein de petits passages comme ça, qui descendent, qui montent et compagnie, à la fin de l'après-midi, techniquement, on est des pros. Hein. Les chutes de neige sont fréquentes et il faut apprendre à progresser sur cette surface fragile et capricieuse. Alors on va profiter de cette jolie pente ici, tu vois, pour travailler à la descente, parce qu'à raquette, il y a des vraies techniques. Alors là, on ne va pas chercher à faire une descente sur les fesses. En fait, là, si vous voulez descendre sur les raquettes, comme la petite couche du dessus est super tendre, on va faire un peu du roller, en fait. Et on ne va pas chercher à faire un pas comme ça en se tenant. Au contraire, on va tout relever et on va chercher directement à glisser, tu vois, en laissant glisser gentiment le pied. Et là, en fait, on se rend compte que ça peut être très ludique, très sympa. Mais attention, parce qu'il faut s'équilibrer tout le temps. Je vais me mettre là. Le premier ridicule. Voilà, c'est pas mal. Relève un peu les fesses. C'est bien, hein. Hey, t'es pas mal, quand même. Et respire, hein, c'est pas de l'apnée. Ah, vous êtes pas mal, oui. Voilà. À la moitié. Il n'y a pas de danger, là. On peut se faire plaisir. Hein. Alors, dans les Pyrénées, tous les arbres sont comestibles. Hein. Hormis l'if. Après, comestible, ça veut dire que tu peux le manger. Ouais. Mais pas forcément que tu vas aimer le faire. Tu vois, cet arbuste-là, dont les feuilles sont tombées, il va faire plein de grosses baies rouges, plein de grappes de baies rouges pendant l'automne, qu'on appelle le sorbet des oiseleurs. Alors là, les baies, bien sûr, elles sont tombées pendant l'hiver, elles ont été consommées également par certains animaux. Il reste le petit bourgeon, là, et qui a un goût très étonnant, un vrai goût d'amande. Tu as goûté, toi ? Non, pas encore. C'est un peu amer en première bouche. Hein. En première bouche, c'est amer. Ouais. Le but du jeu, c'est de rendre la nature attractive.
mais pas uniquement par un discours, même s'il peut exister, mais d'avoir vraiment un contact par tous les sens. Le sens du goûter, celui qu'on utilise maintenant. Peut-être que plus tard, on va avoir le sens de l'ouïe avec un chant d'oiseau ou je ne sais quoi. Mais c'est de ramener les gens vraiment à une vraie découverte sensorielle et complète de l'environnement montagnard. Après 2 heures de marche, le petit groupe atteint les premiers lacs. Allez, regarde, là à gauche, on a la petite plaine, encore quelques petits igloos là-bas. Regarde ça. Ça, c'est la carte postale côte-aurésienne. Ce grand massif au fond là-bas, c'est juste le paysage parfait, je trouve, de montagne. Ce panorama unique sur la vallée marque la fin de la randonnée. On a toujours l'impression l'hiver de redécouvrir en fait les endroits. Il y a une sorte de virginité qu'on retrouve dans la neige, d'un côté un peu pur en fait. C'est très différent de l'été. Une fois encore, sa complémentarité entre les différentes saisons, je trouve, qui font qu'un site devient vraiment passionnant. Nous laissons la vallée de Gaube pour nous rendre plus à l'est et rejoindre une autre station de sport d'hiver, à cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. 6 heures du matin, sur l'aérodrome de Peyragude. Éric Soulet de Lafont, le pilote photographe, prépare une nouvelle mission. Bon, je vais faire le tour de l'avion, tout vérifier. Je vais être sûr de partir avec 3 heures de carburant, dont 1 heure de réserve. La météo peut tourner, on peut être amené à se dérouter. Il faut toujours prévoir large. Le pétrole, c'est préoccupation première, parce que les pompes là-haut, elles sont rares. Donc là, je vais continuer le tour de l'avion, inspecter tout ce qui peut être inspecté. Aujourd'hui, Éric va survoler les plus hauts sommets du cœur du massif. On jette un coup d'œil au principe Hans-Jan. Allez, clac, clac, clac. C'est bon. Comme ça, on part tranquille. La piste est très courte. Elle est réservée aux pilotes chevronnés. Éric ne dispose que d'une 50aine de mètres pour réussir son décollage. Il veut profiter des premières lueurs du jour pour faire une série de clichés. Ça y est, on va voir le lever de soleil sur tous les seigneurs des Pyrénées. Donc on va profiter là des premières minutes magiques de cette lumière douce. Oh, c'est superbe, on a la mer de nuages à droite, je vais shooter là. Le pilote survole les Pyrénées depuis 40 ans et ce matin les conditions sont exceptionnelles. Là, aujourd'hui, c'est un grand bonheur parce qu'on programme les vols en fonction de la météo et on est très, très souvent déçu. Il y a quelques cirrus qui cachent la lumière et c'est peut-être une fois sur 10 qu'on a la lumière espérée. La mer de nuages, c'est la première fois que je l'ai comme ça. On attend ce moment pendant des années et un jour, il arrive. Ouais, ces mouvements sont vraiment très éphémères, il faut en profiter, c'est à la seconde près. L'ULM fait route vers la Haute-Garonne. Les lacs se comptent par centaines, répartis tout au long de la chaîne. On va attaquer le lac d'Eau, le lac d'Espingo et le lac du Portillon supérieur. Là, ce sont 3 lacs
très célèbre dans les Pyrénées centrales, avec des cirques grandioses qui surplombent ces lacs et des cascades. De couleur émeraude, il constitue le véritable château d'eau du sud-ouest de la France. Juste au-dessus du lac d'eau se dessine celui d'Espingo, situé à 1882 mètres d'altitude. Cette pièce d'eau naturelle est réputée dans tout le massif pour la qualité de ses truites. Je m'éloigne un peu et on rattaque. Éric se dirige vers la réserve naturelle nationale du Néouviel, l'une des toutes premières créées en France. Donc sur la droite, les lacs d'eau et le Cap de Long, les lacs de très haute altitude. Le Néouviel par le travers. Le spectacle est somptueux. Il y a des myriades de lacs avec des couleurs là, d'émeraude plus ou moins profondes. C'est grandiose. Le pilote abandonne le massif du Néouviel, façonné par les glaciers, et plonge maintenant vers le sud en direction de la frontière espagnole. Il reprend de la hauteur et atteint ce que les Pyrénéens ont baptisé le massif des 3000. Les 3000, en fait, c'est une succession donc de 13 sommets de plus de 3000 qui nous séparent de l'Espagne. C'est une barrière vraiment assez infranchissable puisqu'il y a juste un petit col qui s'appelle le col du Portillon. Éric longe la frontière sur une dizaine de kilomètres. Cet amour des Pyrénées, ma façon de le transmettre, c'est de recueillir le maximum de clichés qui sortent de l'ordinaire, qui mettent en valeur mes montagnes. Aujourd'hui, c'est un moment magique parce qu'il n'y a aucune turbulence, donc je vais pouvoir prendre tous les clichés bien nets, des clichés dont j'ai rêvé depuis 20 ou 30 ans pour certains, parce qu'aujourd'hui, j'ai tout. J'ai le petit contre-jour et j'ai cette lumière chaude d'octobre que j'affectionne particulièrement. Le pilote profite du beau temps pour approcher l'un des plus grands sites des Pyrénées. Donc là, on voit se dessiner la brèche de Roland. Survolant le versant nord de la frontière, Éric poursuit sa route en direction du massif du Vignemale. Il s'approche d'abord du glacier d'Ossou. Il s'étend sur 45 hectares. C'est le plus vaste côté français. C'est un glacier technique et il n'est pas question de s'aventurer là sans une connaissance parfaite du glacier ou sans un guide. À la fin de l'été, le glacier se détériore fréquemment et il n'est pas rare d'y trouver des crevasses. Le massif du Vignemale est couronné de nombreux sommets. La pointe Chaussanque ou encore le pic de Montferrat. Et le plus renommé d'entre eux, Pic Longue, avec ses 3298 mètres d'altitude. J'ai beau avoir survolé ces sites des dizaines et dizaines de fois, c'est toujours aussi émouvant. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs vols que j'ai jamais fait sur ce site. Dans les Pyrénées françaises, l'ascension du massif du Vignemale demeure la reine des courses de haute montagne. Le lendemain, dans la vallée d'Ossou, au pied du Vignemale. Dans ce minibus, des lycéens de Font-Romeu s'apprêtent à vivre une première. L'ascension du plus haut sommet des Pyrénées françaises. Ils sont encadrés par leurs professeurs, Guillaume Bernol et guide de haute montagne. Hop. Allez, vous sortez, on va préparer les affaires. Tous ces élèves se destinent au métier de la montagne. Si tout va bien,
Dans 24 heures, ils pourront fouler le granit du sommet et devenir de vrais alpinistes. Donc là, je vais vous passer le matos. Paul ? Ouais. Pour cette course, Guillaume a fait appel à trois anciens élèves. Ils vont l'aider à sécuriser la cordée. Étienne, Pierre et Paul sont étudiants et se préparent à suivre une formation pour devenir guide de haute montagne. Ok, ça c'est bon. C'est tout bon. Vous répartissez le matos avec les petites. Moi je finis de mettre ma pompe. Et vous faites comme si c'était vos clients. Ok. Les lycéens sont pris en charge par les trois apprentis guides. Ouais, ça, j'ai une doudoune aussi. Ça, je le prends quand même au cas où j'ai froid, mais... Si t'as de la place, oui. On est là pour les accompagner au mieux. On a toujours un stress, mais il faut pas le montrer, parce que si nos clients le voient, on va les mettre en stress. C'est déjà des clients pour vous. Aujourd'hui, on est en situation, donc on peut utiliser le mot client. Là, ton piolet, c'est mieux que tu le mettes vers l'intérieur, parce que tu risques de blesser quelqu'un ou de te blesser. T'as juste, en fait, à le tourner. Tu vois ? Voilà. Je suis intéressé par le secours en montagne, donc quand même avoir les qualifications du guide de haute montagne. Et je trouve que c'est un peu une mise au point sur nos connaissances, savoir si on arrive à les retransmettre à autrui. L'objectif, là, c'est qu'en fait, qu'ils évoluent en autonomie avec leurs clientes, entre guillemets. Ça fait quand même 7 ans que je les suis. Ouais. Et je pense que j'ai entièrement confiance en eux. Dans le même temps, vous vérifiez tout. Hein. Mais quand même, je vérifie. Et c'est pas fini de vérifier. C'est vrai ? Non, tout le long, là, quand même. La moindre erreur en montagne, ça peut être fatal. Du coup, on fait attention. Il est 15h. Le groupe s'élance. Et les amateurs de canyon, là, vous avez une cascade, vous allez voir, là. Elle est magnifique, là. Regardez la belle vasque, là. Là, c'est splendide. Dans moins de 3 heures, la troupe sera au sommet de cette vallée. Première étape où elle passera la nuit. Mais pour cela, il va falloir marcher et surtout garder le rythme. Regardez les couleurs, là, si c'est beau, là. Après une heure de marche, apparaît le premier passage difficile. Un pierrier de plus de 500 mètres de long, il permet d'accéder à un sentier périlleux. Là, vous allez faire attention, on va passer dans un passage un peu délicat. Soyez vigilants, il y a un gros précipice à côté. Les gars, vous venez vous mettre avec vos petites là. Ok. Derrière moi, là. Donc là, les gars, ce qu'il faut, c'est on va s'adapter au rythme de la plus faible. Et on va garder ce rythme. Vous adaptez au client, ça va rouler. On revient de là où tu poses tes pieds, là. Gardez un rythme tranquille, pas besoin d'accélérer. Peu à peu, le minéral prend le pas sur le végétal. Allez, les filles, on y est! Avant la nuit, le professeur et ses élèves gagnent un haut lieu de l'alpinisme pyrénéen. Le refuge de Besse-Lance marque le point de départ de la voie qui mène au massif du Vignemale depuis plus d'un siècle. Vous avez des paniers, et vous mettez des affaires que vous n'avez pas besoin, vous les laissez là. Parce que demain matin, à 5h du matin, là, quand on va partir, ça va être dur de récupérer tout. Ce soir, le refuge affiche complet et les 20 lits sont occupés. Tu te pousses un peu ? On va bien dormir. C'est la première fois que je dors en refuge avec des grosses couettes comme ça. C'est cool. 20h. Après le dîner, Guillaume réunit les futurs guides pour un cours de cartographie. Ils doivent apprendre à reconnaître toutes les difficultés du parcours. On prend les petits pointillés. On le voit, le chemin, il est tracé. Et à partir de là, on est dans la pampa. C'est ça, en fait, c'est que le glacier bouge. Demain, les trois apprentis pourront se perfectionner dans des conditions réelles. Et Guillaume ne laissera rien passer. Vous risquez rien. Là, les gars, ça, c'est à vous de gérer. Encordement sur glacier, on est toujours hyper tendu. Si je vois une corde qui est détendue, on arrête. Ça, les gars, c'est faute de sécurité. Si vous me faites ça, on abandonne la course. OK ? Et je reprends tout le monde. Je vous fais plus confiance.
Ouais. Ok. Il y a un petit peu de pression, mais ça fait plaisir de partager ça avec lui aussi. Et voilà, et de pouvoir prendre la relève après, par la suite. Ah ouais, c'est pas la relève. Vous allez. Le lendemain, le soleil n'est pas encore levé quand le groupe se met en marche. Ok les loulous, on reste bien sur le chemin, on ne s'éloigne pas. Regardez bien devant vous. Guillaume veut gravir le sommet en moins de 5 heures pour ne pas se laisser piéger par une météo instable. Très vite, les apprentis guides franchissent un premier passage difficile. Les gars, vous allez venir avec moi là ? On va arriver sur le passage des Vires. À la moindre hésitation, vous encordez les filles. Les cordes, elles sont à l'épaule. Elles sont pas dans le sac. Ces choses-là, on y pense avant d'être dans la difficulté. Ok. D'accord ? On anticipe. Un guide, c'est savoir se dire, là, si je vais là, qu'est-ce qui va se passer ? Si je vais à ce chemin, qu'est-ce qui va se passer ? À tout moment, avoir une phase de repli. Dans la nuit, on peut pas voir ce qui se passe. Et du coup, là la chute, elle peut être assez dangereuse. Allez, les filles, vous allez monter par là. Là, les gars, vous vous mettez dessous. Voilà. Vous leur montrez le chemin. À partir d'ici, il n'y a plus de sentier. Le risque est réel. Ah, super, ça. Attention, où vous mettez les mains et les pieds, il n'y a rien de stable. Donc, on vérifie chaque prise, chaque pas. Étienne, le futur guide, ferme la marche. Face au danger, il n'hésite pas à encorder Inès. Elle n'est pas très rassurée, donc c'est préférable pour éviter l'accident de l'encorder. Il faut être vigilant à ce qu'elle aille bien et c'est des réflexes à prendre qui font. Ça fait à la fois plaisir de le faire, mais bon, c'est pas non plus une sérénité totale, quoi. C'est bon ? Allez, donc tu gardes bien la corde en vue, tu restes derrière moi. Si ça va pas, tu me le dis. La petite troupe marche déjà depuis 2 heures. Vous avez regardé derrière vous le lever de soleil ? Si c'est beau ? Je trouve le plus joli, c'est la faille là-bas. On voit juste l'orange en bas. Oui, on voit juste l'ombre des montagnes, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas quelque chose aussi qui vous fait bizarre ? Oui. Non, écoutez. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Ça fait du bien. Du bien. Et ça, c'est en montagne, c'est sûr. Tu vas tout le temps. Et dans les Pyrénées. C'est super sauvage. Le groupe progresse au milieu des éboulis et des premières neiges. Les blocs de rochers font place aux glaciers. Dernier rempart avant le sommet. Pour franchir l'obstacle sans danger, ils doivent maintenant chausser des crampons. Les garçons, vous prenez en charge les filles, vous réglez les crampons, vous prenez le temps de régler les crampons. Je veux pas un crampon dans une minute qui saute. Ok, okay. Ouais. C'est ça compris, marche. Étienne ? Ouais. Sûr, ouais. Hein ? Alors Inès, tu sors bien tes lanières qui sont emmêlées. Et là, on va régler la taille, ok, des crampons. Bientôt, lorsqu'ils emmèneront seuls des groupes en haute montagne, les 3 aspirants guides devront appliquer des règles de sécurité très strictes. Guillaume est intransigeant. Là, tu as mis 2 mousquetons, tu es tout seul avec elle. Là, tu sais qu'on est sur le glacier, après on va jusqu'au sommet. Je préfère un nœud, tu me fais un nœud, s'il te plaît. Polo, c'est bon ? Ouais. Non, regarde, fais-moi un cabestan correctement, là. Tu me fais n'importe quoi, là. T'accordes des 2 côtés que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Ils sont déjà allés sur glacier, mais avec un débutant, non. Et du coup, il y a vraiment tout à vérifier. Du coup, là, il y a déjà pas mal de choses à checker qui n'étaient pas correctes. Il faut déjà les recadrer. Donc, il va falloir finalement faire très attention. Sur un glacier, on marche comme ça. Des pas lents, réguliers.
des pas lourds. Cette langue de glace s'étend sur plus d'un kilomètre. Moi, ça me fait toujours quelque chose d'entendre ce crissement des crampons dans la glace. Plus l'été avance, plus les températures augmentent et plus le terrain devient dangereux. Avec le réchauffement climatique, le glacier a perdu près de 22 mètres d'épaisseur ces 15 dernières années. Faites attention, il y a une grosse crevasse. Vous passez sur le côté, en faisant bien attention, vous pouvez la regarder, mais de loin. La première fois où j'ai fait le Vignemale, j'avais votre âge, les filles. Et à votre âge, j'ai chaussé des crampons, je pense bien 200 mètres plus bas que maintenant. D'accord ? Et ça, ben vous, quand vous aurez mon âge, ben peut-être qu'il sera. Il y aura quasiment plus rien. Ici, les pièges sont nombreux. Mais rien n'échappe à l'œil de Guillaume, comme ce pont de neige qu'il faut enjamber. Allez, ouais, vas-y. Hop ! Vous allez casser les chevilles, voilà, super. Trop long, hein, trop long. On est court, les gars, là, on est court. Sur la traversée, on s'encorde court, là. Autre danger, un peu plus loin, une grotte de glace. Le glacier, c'est quelque chose qui est vivant, qui est en perpétuel mouvement. Donc, du coup, on va pas trop traîner là. C'est joli, mais on va pas trop traîner là. Rapidement, le groupe s'attaque au mur de glace. Tendu, d'accord, tendu. Après 2 heures d'ascension, l'altitude commence à se faire sentir. Ça va les loulous? Est-ce que vous sentez quelque chose d'être à 3000 mètres? Il n'y a plus d'air. Mais t'as plus d'air? T'as vraiment plus d'air? Oui, j'en ai encore un peu. Ah, tu peux respirer. J'en ai pas beaucoup. T'en as plus beaucoup? C'est sûr? C'est quand même une étape symbolique dans l'ascension du Vignemale, dans toute ascension d'un sommet. Une fois qu'on a passé 3000 mètres, ben, ça fait déjà un petit plus. Donc déjà, c'est un bon cap, un joli cap. Et si elles s'arrêtent là, mais elles ne vont pas s'arrêter là. Non. C'est sûr que non. Hein. Non. On va au bout. Hein. Il n'y a plus les nuages. Alors là, plus les nuages. Au point où on en est, ouais, on va au bout là. Hein. C'est sûr. Ouais, hein. Encore 100 mètres de dénivelé. Et enfin, apparaît le sommet. Pour se lancer dans l'ascension finale, il faut déchausser les crampons. Pour l'heure, Guillaume est satisfait de ses apprentis guides. Là, je suis heureux, puis je suis heureux de ce qu'ils ont fait. Même si de temps en temps, je suis obligé de les remettre un peu sur le droit chemin, ce qui est normal. Hein. Et du coup, pour moi, ça, c'est une transmission, c'est-à-dire que c'est une concrétisation. Je leur ai transmis ma passion, je leur transmets mon métier. Voilà. Même si peut-être plus tard, ils vont me piquer mes clients. Mais bon, ça, c'est... On en rediscutera plus tard. Pierre ? Oui ? On fait quoi, là, maintenant, là ? Merci. On va aller jusqu'au sommet, qui est par là. On va un peu chercher l'itinéraire. Et voilà, on va y aller tranquille, sans s'affoler. OK. Allez ! Pour les derniers mètres, il faut passer à l'escalade. Guillaume prend la tête de la cordée. Les filles, vous partez en corde tendue. D'accord. Il faut encore gravir une paroi vertigineuse surplombant le glacier pour accéder au sommet. Anticipe, anticipe, anticipe. Regarde, là tu vas arriver à un endroit où il y a des pierres. Allez, on enchaîne derrière là. On ne traîne pas, il fait froid là-haut. Regardez, l'ambiance face nord. Après une demi-heure d'effort, le groupe atteint le point culminant des Pyrénées françaises.
Voilà les filles, ça y est. Allez. Bravo, bisous. Vous êtes des top. Bravo les filles, embrassez-vous. On y est. Ouais. Bien joué. Mission accomplie. Bravo. Pour Pierre, Paul et Étienne. Bravo Inès. Les trois amis ont réalisé leurs rêves. Ils ont guidé leurs clients au sommet du colosse des Pyrénées. Voilà. Super les gars. C'est bon. Peut-être qu'on démystifie la chose, on se sent peut-être plus capable qu'avant. En tout cas pour moi. Ouais. On se dit bon, c'est possible. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais on se dit bon. On peut le faire. C'est un pas vers le, c'est un premier pas vers le métier. Ah ouais, ouais, de guider des gens comme ça, c'est quelque chose de vraiment très enrichissant, enfin qui amène beaucoup de choses, quoi. Ça sera votre métier. Bien sûr que pour moi, je vais en faire vraiment mon métier, parce que c'est un vrai bonheur. Pour moi, la montagne, elle est encore plus belle quand dans les yeux de celui qui la contemple. Et là, aujourd'hui, d'avoir vu Inès heureuse d'arriver au sommet, bah, c'est un vrai plaisir. Donc, je veux vraiment en faire mon métier et ma vie, quoi. Attention! Vigie permanente de granit et de glace, le Vignemale attire chaque année des dizaines d'alpinistes. Ils viennent de partout dans le monde pour réaliser un rêve, escalader le toit des Pyrénées françaises.